les papos. Elle aime les papos, la fille Babelsi. Mes côtes. La fille Babelsi, elle aime les papos. Il a dit, il a mettre les noms vocaux. Où tu me suis depuis matin pour les papos? La chinoise. Vous savez que le président de la Chine, c'est lui qui a fait les buzz. Il nous a formés. Il sait comment on fait le route. On fait les cassements des papos. Il sait comment on fait les cassements des papos. Il sait comment on doit retourner. Hey, il vous dit toujours qu'il y a un trésor en Chine. Moi, Pierre et Robert, là. On est très futés. Oui. Oh, yeah. On a fait notre course à reçu. On a reçu les papos. On a fait notre course à reçu. On a reçu les papos. Oui. Quadio, il a dit dans son spa. Il a dit, c'est lourd. C'est très, très lourd. Il a dit, mais c'est le matin. Ils ont déposé dans mon inbox comme ça. Vous-même savez que, avec Sylvia là, c'est pas les papos. Vous me connaissez. Papo est prêt à la pub. Quand tu prends le papo là, tu vas à la gendarmerie, ma chérie, elle a rien fait. C'est ta voix. Attendez, je vais lever un peu mon rideau. C'est ta voix. La fille a dit quoi? Elle a fait quoi? Rien. C'est le genre de papo sinon. Quand on donne là, on ne peut pas t'envoyer en prison. Voilà pourquoi depuis là, ma situation directe, ça marche comme un escargot. Ça marche comme un escargot. Non. Les papos seront cassés. Aya Robert a commencé une partie. Et puis moi, j'ai commencé le... Ça y est, le jour que mon nouveau sort là. C'est bombe nucléaire. Aya Robert va mettre un peu. En tout cas, quand on va mettre un peu, restez tranquille. C'est que moi, j'ai là. C'est lourd. Quoi, Dieu, tu mougou garçon. Tu as dragué le pauvre monsieur sur Internet. Et tu dois le critiquer chez les gens. Tu dois le rabaisser les yeux des gens. Un homme qui te déshabille. Un homme qui habite ton conche à nu. Tu dois le rabaisser comme un moins que rien. Quand il te prenait pour t'envoyer dans jardinerie d'épinay sur scène là. Tu t'es assis, on dirait t'entendre, on dirait une zozo là. Tu n'as pas aimé. Oh, tu as venu l'insulter. Oh, tu as venu le laver. Quoi, Dieu? Tu as venu le laver. Jusqu'à t'as dit que toi, tu le frappais à la maison. Tu vas la gifler. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle n'est même pas bonne du tout, même. Tiens! Oui! Oh, lui, tu as dit ça. En tout cas, tout à l'heure, le soir, on va faire un direct. Le direct des 1800 euros, là. On va faire ça. Et puis, elle aura une amie qui a venu parler, qui a venu témoigner de ce qu'elle a vécu à Kouadjo. Thank you.
arrêtez vos passes. Arrêtez vos passes parce que c'est une bombe nucléaire. Bombe nucléaire. Bombe nucléaire. Arrêtez vos passes. Que putain quoi? On dit putain, il connaît que manger beaucoup rit. Et c'est plein qu'on lui sait. C'est Emmanuel Keïta qui dit ça en faux profil. Hein. C'est elle. Elle s'en va. Et puis les gens de la E40, votre main est sortie dans nos vocales là. Quand moi, je vous dis que cette fille est dans le groupe là, vous payez moins. Vous allez entendre aussi. Vous allez entendre le nom de la E40 est sorti dedans. Elle a le faux profil. Et puis elle vit sa soeur. Il y a un faux profil qu'on appelle Morgan quelque chose là. C'est pour Emmanuel Keïta. Elle dit des choses qu'Emma dit, et qu'elle dit. Et je l'aime. Ça veut dire que le faux profil a dit là. J'ai ça ici dans mon vocal. C'est Emmanuel Keïta, elle, sa voix qui le dit. C'est Emmanuel Keïta, sa voix qui le dit. Tu as confirmé. Quand tu sors avec un homme et que tu rates toi, ta relation avec cet homme là, laisse-le partir tranquillement, tranquille. Peter là, tu savais que Peter là, il est comme ça. C'est toi qui l'as dragué. Devant moi. Devant moi, c'est toi qui l'as dragué. Tu l'as dragué, tu as vu 7000 euros. Devant moi, tu m'as dit ça. Calme, tu as commencé à faire calcul devant moi. Non, si Peter gagne 7000 euros et qu'il a un petit boulot, mais ça, je peux rester avec lui. Il peut faire ça pour moi, il peut faire ça pour moi. Voilà le calcul que tu as fait. Quand tu es parti, tu as vu que vos, Peter ne travaille pas. Tu as vu que Peter ne travaille pas. Quand il te mousse, c'est petit juif, ça, c'est à être 58 dans. Tu as oublié ça. Tu as venu t'asseoir pour manigancer. Tu planifies tout pour manigancer contre le monsieur. Pour planifier des choses contre le monsieur. Et puis même pour le jeter en pâture. Pour le jeter en pâture. Tu le donnes à ta F40. Ils n'ont qu'à l'insulter. Ils n'ont qu'à l'insulter à ta F40 qui sont proches de toi. Avec qui tu causes. Ils n'ont qu'à l'insulter.
considération de son petit. Ça y est, tu n'as même pas un minimum de respect pour l'homme qui t'a déshabillé. Tu vas le rabaisser là-bas carrément. Et tu te dis là, non, voilà, il n'a qu'à dire que c'est buzz. Que votre relation est buzz. Quand il te mousait ton nina, tu disais, tu connais un garçon qui mousse comme ça là. C'est un buzz qui te mousait. Sale chienne que tu sois, assume tes actes. Assume tes actes pour ton mot villageoise. Assume tes actes. Tu comprends? Tu vas aller dénigrer Peter. Peter chez son vieux père. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Quand quelque chose ne va pas dans une relation, là, tu restes avec ton mari. Tu restes avec ton gars. Tu restes avec ton gars. Tu n'as pas besoin d'aller voir des gens. Et puis, tu t'en là-bas, là. Il faut savoir parler. Mais toi, tu rabaisses Peter carrément là-bas. Tu n'es pas une bonne femme à marier. Je plains l'homme. Même si tu croises un babatien, il va te laisser. La preuve en est que tu as croisé Kafou qui t'a gagné l'argent. Kafou t'a laissé, t'a fui. Oh, même ton homme, il fuit ça. Même, il n'a plus rien à voir à faire avec toi. L'enfant qu'il avait avec toi, là, il t'a dit, il dit, prends tout. Parce qu'il ne veut même pas voir un de ton sang circuler auprès de lui. Tellement que tu es mauvaise. Toi, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne ressens rien. Comme oui, c'est pas mon genre. Comme oui, il n'était rien. Il était... Tu as bien vu, putain. Et puis tu veux. Attends. Quand je vais mettre les notes CP, quand il va entendre. Quand je vais mettre les notes CP, il va entendre. C'est que Aya va mettre juste ses petits. Hein. Il va sourire d'abord. Mais comment je vais sortir? Quand je vais sortir, parce que moi, je n'ai pas de la bouche, je n'ai pas preuve. Il peut dire que non, j'invente. Mais quand je vais sortir.